Ceux qui me suivent sur du multigaming le savent très bien, je peux faire des streams de 6 heures sans aller aux toilettes une fois. C'est League of Legends! Et c'est réel, c'est pas une vanne ou quoi que ce soit. C'est League of Legends. League of Legends me donne envie de faire pipi. Et je pense que je suis vraiment pas le seul dans ce cas. C'est vraiment pas rare de voir des joueurs en LAN par exemple aller aux toilettes entre littéralement chaque game. Le jeu il te stresse, il te tend, tu fais bouger tes jambes en permanence, tu sautilles sur ta chaise. Forcément le jeu il te donne envie de pisser, c'est League of Legends qui me donne envie de pisser. C'est extrêmement sérieux ce que je dis. Y'a que sur LoL que je vais autant aux toilettes. Merci de Léode 8 et le Grège pour les resubs. Non, j'ai pas vu le Voli Navori Roa. Enfin, Roa Navori plutôt. Je savais pas que ça faisait Navori. Roa, par contre, j'en ai beaucoup vu sur des streams, ça a l'air fort. À chaque fois, je les vois gagner leur lane. Le mode PvE cet été, ça te hype l'idée? Ouais, ce sera cool. J'en ferai beaucoup en stream. Je mettrai ça sur la chaîne Gaming. Enfin, les VOD, je sais pas. Les streams sera sur la chaîne, j'ai qu'une seule chaîne Twitch. Peut-être qu'il va passer par là. Un peu tard pour y aller. Perso, c'est souvent que je vais déféquer avant de jouer à LoL, c'est pour mettre ton corps dans de bonnes conditions. Non, moi ça va, je suis libre de tous ces soucis. Abatteur et même pas de potion? Comment ils me respectent pas? Moi j'ai un transit et un rythme intestinal béni. Une fois le matin, avant le petit-déj ou après le petit-déj, ça dépend. Et après je suis tranquille pour la journée. Je n'aurai jamais de mauvaise surprise. J'ai pas le creep, non, c'est grave. Oh mon dieu. Bon les gars, si vous voulez acheter ma formation, 600 € sur PayPal. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre en top lane. Merde, je crois que je suis mort. Oh, c'est abusé. Oh non, vas-y, refocus, on respire un grand coup. Ok, maintenant j'ai qu'un seul objectif, bien me comporter. Putain, il a une bonne lane en plus, c'est tellement gagnant pour lui, je suis trop nul. Merci Jean-Toile Sma et Igor la Saumure. Ok, je me suis très mal comporté, mais c'est pour me mettre intentionnellement en difficulté pour vous apprendre des choses et vous vendre ma formation. Regarde, parce que là je reviens et je freeze la lane. Et le Sion, il ne veut pas que je freeze la lane. Et c'est là que la magie opère. Shit. Oh, je suis sur le point de prendre le bus. Et voilà. Et maintenant, j'ai un deuxième kill, un abatteur et une lane freeze. Un abonnement tier 1 ou prime et je vous dévoile toutes les clés de la top lane. Si le train de la hype atteint le niveau 10, formation gratuite pour tous.
Est-ce que je gagne le stat check? Je suis même pas sûr. Y a pas de létal tempo, non, je gagne pas le stat check. C'est vrai qu'avant, avec la létal tempo, tu gagnais tous les jours une situation comme ça. Ça me fait un peu bizarre. Quoi? Putain, mais il utilise des tricks interdits aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh mon dieu, le train qui monte! Faut que je récupère cette lane entre les deux tours. Ok. Maintenant, ça va m'être bien. Attends, fast, fast. Alors je suis un Berserk Rush Enjoyer, mais Tiamat, ça va quand même permettre de vraiment lui casser les pieds. Vu que son seul but c'est de push ultra vite et de prendre mes plaques et d'aller me proxy ou quoi, si j'ai un Tiamat ça complique vraiment son gameplay. Merci de faire monter le train de la hype. N'oubliez pas, promotion, train de la hype niveau 8. Et la formation est gratuite surtout. Quoi? Pour tous. Ok, là il est utile pour la lane, mais si j'ai le temps de faire proc ne serait-ce qu'un démoli, je suis gagnant. Ok, la durée des CC m'a l'air assez chill. C'est dommage qu'il soit pas avec moi le Nock, là il y avait vraiment une occasion rêvée. Ce mec là a pas de flash. Ulti-le! Mais viens pas à pied! C'est très bien. Très bon comportement. Attends. J'attends pour le Viego. Le Viego il est bien quand même. Debuff d'AD, son R va faire moins mal. Et ben voilà, on se régale. Allez, un petit démolish là-dessus. Ah mais ça revient trop vite cette merde. Bon c'est pas grave, je vais prendre la tour. Et bien se passer. Ok, là je suis vraiment bien, j'ai pas mal de vols de vie, j'ai les ercs. Prochain bac, j'aurai l'hydra. Ouais, Nock il a un peu paniqué sur le flash, mais au moins il a ulti le Sion, c'est tout ce qu'il avait à faire. Merci beaucoup Goezan, Ubabe Gaming, Lugazi, Couleur PQ pour l'abonnement offert, Lachigno, Youngsliki, Eikar, 31 Siki, Fredo Apero, Doc, Unco, Lave-Vaisselle 42. Merci à vous tous. Bon là, on va rentrer dans une guerre où il va refuser catégoriquement de quitter sa tour pour pas que je prenne tout, logique. Et où moi, mon but, bah, ça va être de lui faire quitter sa tour pour que je puisse prendre plein de trucs. Non ! Ok.
Ok, nice. Deuxième plaque. Et en plus, j'avais un canon. Il va pas me distancer avec la batteur. Ah, il a le spike cap solaire. Le spike cap solaire, il est vraiment méchant. Oh mon dieu! C'est tout le monde qui va avoir ma formation. Papa, papa! Zach Fou, merci beaucoup pour les 35 points d'abonnement. Et Magnus Ratoriel, merci beaucoup pour les 10 subs. Ok, je vais lui refaire le coup sur la wave. Et après, il y a peut-être moyen d'aller contester les grubs ou quoi. Je vais tenter une petite arnaque. Si ça passe pas, tant pis. Ça passe, tant mieux. Ok, j'en ai eu un. Worse. Ah, j'ai mon mage avec moi maintenant. Ok, il a ramené son mage. Mais son mage n'est pas passé par le bon chemin. Et on va avoir tout ça. En vrai, il faut que je le laisse finir. Ok, on a les 6. Les 6 Void. Je suis Trinda Demolish et j'ai les 6 Void. En vrai, je vais prendre l'aggro. Oh, il est pas content là. Oh, il est pas content du tout. Et il veut me garder sur la lane. Parce que là, si je bug, je reviens avec tellement de stuff, il pourra plus rien faire. Tente de me burst misérablement. Bon bah là je suis trop bien, en plus il a plus de TP. Petit debuff d'AD, tiens, ça t'apprendra, vilain. Il a pas d'ulti, pas de TP. Normalement j'ai le temps de prendre la tour ou au moins un démolish. Ouais, non, j'ai le temps de tout prendre, je suis trop bien. En plus, j'ai eu l'abatteur dans l'histoire. Ouh, là, le bac, il va être méchant. Très méchant, il va être le bac. Les gars, je peux pas m'empêcher de faire de la merde. Dans un monde normal, je devrais faire danseur fantôme, puis IE, et ce serait tellement mieux contre tout le reste de l'équipe. Mais... dans un match-up tank, si tu lâches un Dominique en deux, il pleure, non? Il gagne à littéralement aucun moment. Puis en vrai, il y a une Leona qui va être tank aussi. Non, en vrai, je pense que c'est pas trop de la merde, parce que Dominique en 3 était bien dans cette game. Il est dans le buisson, essaie de me placer un... Regarde-le! Oh, tu vas tâter. Tu vas goûter, hein, je te le dis. Il pensait qu'il allait me chier dessus avec sa tankiness, il est un peu surpris, là. Melon m'a mis un Q au dernier moment et du coup j'ai...
Nah! Non, melon! Toutes ces LAN qu'on a fait ensemble à l'époque et il me fait ça? Bro, défends ma tour, s'il te plaît! Lui laisse pas ma tour, c'est un joueur de Sion, il va danser s'il a ma tour, je veux pas qu'il danse! Il va être trop heureux, le laisse pas être trop heureux! Oh mon Dieu! Merci Poseidon pour les 300 bits, c'est Mickey Gaming, SIOFR et Troller One, The French Louis, Katan947, Jazz11, OurirFendin et Naomien pour tous les abonnements, merci beaucoup. En vrai, c'était trop dur de le voir venir parce que vraiment, le laser il est venu instant, genre pssf, en même temps que le coup de tour. C'était trop dur de réact ulti. Je pense que je prends ça sous ses yeux. Ah! Tu vas tâter du Dominique. Ok, je regrette pas mon Dominique. Si je rajoute une BRK, le Sion peut plus jouer. Ouais, mais rajouter une BRK, c'est un peu overkill. Après, en vrai, non, je peux le faire plus tard. Mais là, il me faudrait un danseur, sinon je vais trop me faire kite. Et je vais trop délai mes creeps, lieu, tout ça. Là, il me faut un danseur. Il me faut un danseur et EU en 4. Et là, ça me fait le 100% de crit, ça me fait mon attaque speed, ça me fait ma movement speed, ça me fait mon ghosted. Ghosted, c'est trop important. En vrai, je peux potentiellement faire une BRK en 4. Pour vraiment être le pire être humain possible avec Sion. Mais je pense, faire une yeuse, je suis déjà un horrible être humain avec Sion et ça me permet de découper toute sa team alors que BRK pas trop. En plus la BRK c'est plus trop ce que c'était je crois. Hein. 9%! 9%! Moi j'ai connu une BRK à 12% monsieur. 12%! Moi j'ai connu une BRK à 12%! Et elle avait un actif en plus. Qui volait la mouvement de speed. Qui faisait pas juste un slow. 9%. 9. En vrai, quelque part, c'est normal. La BRK, c'est le genre d'item. Dès que ça devient un peu viable, ça casse le jeu. Mais. Et toute la méta tourne autour, surtout en top lane. Mais putain! On est loin de ce que c'était, hein. Ok, j'ai vilainement cancel un crit là. Bon, faut que je m'occupe du topside et que je récupère l'Hérald. Si la team adverse obtient l'âme des vents, je peux plus jouer. Donc en vrai, je devrais peut-être bouger pour contester ça. Go fight avec moi. Ouais, faut surtout pas qu'il puisse menacer la soule des vents. Bon là j'avoue qu'il commence à la mériter sa BOTRK. Hein. Il commence à bien la mériter sa BOTRK. Pas d'Hérald mais le dragon je pense c'est bien.
Non, ça vaut pas le coup. J'hésitais à flash pour l'interrompre, mais c'est tellement pas worth. Putain! Qu'est-ce qu'il est tanky, lui! Il va taper ma tour en passif, mais ça a été tellement nerf. Oh, y'a Pandore qui passe un sale quart d'heure. Peut-être qu'ils vont réussir à turn ça? Non. Non, ils sont pas du tout dans l'optique de turn là. La hache Leona Overfeed, c'est un peu terrifiant ça. Viens, on duel Nash. Trust, 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 chose, trust, chose, chose. Ah! Pourquoi je garde l'abatteur? Bah, l'item il donne des stats. Pourquoi le vendre pour rien? La Leona c'est un peu trop. Ok non j'ai rien dit, c'est pas béni. J'ai même pas eu de sort d'invocateur à claquer. Je peux bientôt OS lieu. Je pense en late game faudra vendre les Zerg pour Mercure. Ce sera trop dur de teamfight sinon. Non, en vrai, si je fais l'IE maintenant, je peux pas le regretter. Alors qu'une BRK maintenant, je peux la regretter. IE sera forcément bien. Et derrière, je peux faire BRK et vendre ça pour Mercure. Là, le last item, c'est BRK ou Navori. Et vendre ça pour les Mercure, je pense. Zephyr, c'est pas bien. Merde, je suis trop un vieux joueur de League of Legends. J'ai oublié qu'il y avait ça. Faut que je le rajoute dans mes item sets, sinon je vais tout le temps oublier. Putain, j'ai même pas réussi à aller plus vite. Oh, il casse la tête. En vrai, je peux venir le finir. Il y a le canon, il va perdre du temps. Non ! Par principe. Par principe, je le frappe. C'est pas mauvais, il arrive plus low life. Je vais donner le raid à tout le monde et après on peut fight. Par contre, faut vraiment que la team tank pour moi. Si je prends tous les CC, je peux pas jouer. Ça joue tous les jours, hein, faut pas leur laisser ça. Même le fight peut se jouer. Si on joue décemment, le fight se joue. Ok, il me voit ici. Ça prend le push mid, ça les dissuade. Mais avec la Lulu à côté de moi, je peux check. Comment ils sont tous? Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Bon, j'ai dû claquer mes deux sommes, mais ça vaut le coup. Elle le sait, elle le sait. Elle ressent ma fourberie. Attends, attends, faut que j'aille m'occuper du Drake avant que les gens pop. S'ils en prennent un seul, ils menacent la soul et on veut pas ça.
Ok, bah là c'est mission. Mission BRK Mercure, hein. Ok, je suis 18 et bientôt full stuff. Faut vraiment réussir à accélérer la game et à transitionner des trucs sur l'équipe. Après les victoires, ça m'a pas l'air d'être un cadeau. Ça, c'est bien ça. Allez, un petit slow de zone. Ah ouais, merde, il y a ce truc là. Unlock at level 15. Merde, je l'ai peut-être acheté trop tôt. Ça fait quoi? Ah, ça donne. Waouh, le montant de move speed que j'ai. Je déteste les joueurs de Sion. Putain, ça fait tellement de move speed à force. Je monte à combien? Ok. Bon, je suis pas sûr qu'il fallait l'acheter aussi vite. Ah, mais du coup, je peux plus faire les mercures. Ça, c'est pas terrible aussi. Au pire, du coup, je fais un Witsen pour finir. Je me ferai moins burst par le Victor. Je suis pas sûr de où ça va. Ouais, ça remplace les boots du coup. Après, le truc c'est que tu prends mon Victor. Mais bah, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Ok, pour le moment c'est bien. Ok, c'est pas bien, je pensais que j'avais des teammates avec moi, mais il y en a pas. Et elle a encore littéralement tout, je vais mourir sans rien pouvoir prendre. Oh, il me fait ressentir des choses. Des choses mal. Ce Victor me fait ressentir des choses vraiment mauvaises. Ça donne combien de tonacité ça? 25%? Ouais, je pourrais faire une BRK et prendre la tenacité via la potion. Rappendre la répote sur Trinda, c'est un peu triste, mais là, je sais pas si j'ai le choix. Vas-y, Pandore. Non, fais pas trop le con. Ça sent le foot. Putain, tout ça découle du fait que j'ai suivi Victor une fois dans la game. Et il va trouver le moyen de mourir, hein. Là, c'est son moment. Regarde-le. Regarde-le. Il veut pas s'arrêter. C'est trade kill pour la Léona. Ouais, attends, je vais rapidement récupérer le raid. Je vais l'empêcher de récupérer le bounty, après il aura certainement l'ulti pour partir. Il commence à me gérer, hein. Il me faudrait une BRK pour tenir son scaling. Ouais, c'est vrai que la Léona, je lui fais vraiment très peu de dégâts. Après, la Warden, Plated, Aftershock. Et c'est surtout le fait que elle me spamme de CC. En soi, la Léona, je la découpe. Mais je peux pas la taper. Je suis tout le temps CC. Oh, ouais. Pourquoi reculer? Pourquoi avoir peur?
Nice. Et on finit la game. Y'a que le Sion. Oh oh, Lulu shield moi. Lulu m'oublie pas hein. Tapez le passif, il va dépoucher avec. Ok, ils ont FF. Vayne c'est Pandore, ouais on était en duo Q là. J'étais en duo Q avec Pandore. Je veux l'honneur, il a fait une bonne game. Il est sur son compte Vayne là. Bien joué Pandore, c'était clean ce que t'as fait. Goldorak et fromage de bite. Merci à vous pour les resubs.